Oh, 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 tiens. Tu l'as dit. Ça va? Ouais. Allez, on bouge. On dirait que la voie est libre. Ouais. Tant mieux. Prodeus quod licentia. C'est carrément simple comme code. Pour Dieu et la liberté, c'est leur devise. Toutes ces références au paradis, dire qu'on a raté ça. Je suis content de voir que vous allez bien. On va beaucoup mieux que bien. On a trouvé Libertalia. Libère quoi, t'as dit ? Libertalia. Apparemment, Avry a fondé la légendaire colonie de pirates. Ça tenait plus de l'utopie que d'autre chose. Ouais, mais le trésor dans tout ça ? Ben, si on en croit les récits, cet endroit aurait servi de refuge à des centaines, peut-être même des milliers de pirates. Et on dit qu'ils partageaient tout. Possessions, ressources... Argent ? Ils gardaient tout dans un seul et unique bâtiment communautaire. Ok. Alors... Où il se trouve ce sanctuaire pour pirates communistes ? Ici même. Sur cette île, au nord-est de la baie du Roi. Et Raif a une copie du parchemin. Oui, bah, le temps que Raif le déchiffre, on sera déjà en route pour Libertalia. Je vais vous dire, ce magot, c'est comme s'il était déjà à nous. Oups. Comment ça se passe en Malaisie, Nate ? T'aurais pas un peu dévié de ta route ? Elena, c'est pas du tout ce que tu crois. Vraiment. Parce que vu de l'extérieur, on dirait que tu t'es lancé à la recherche du trésor d'Henri Avery. Et si on en juge par le nombre de soldats de Shoreline qui traînent en ville, je suis à peu près sûre que vous n'êtes pas les seuls sur le coup. D'accord, bon... En fait, c'est exactement ce que tu crois. Mais je peux tout expliquer. Écoute, ça va te sembler dingue. Et c'est toujours ? Ben, pour commencer... Je te présente Sam. Sam Drake. Mon grand frère. Salut. Je suis désolé. Je croyais qu'il était mort dans une prison du Panama. Mais comme tu vois, j'étais à côté de la plaque. Il a moisi là-bas 15 longues années, tout ça à cause de moi. Et le type qui l'a fait sortir réclame un gros paquet d'argent, c'est pour ça qu'on a tant besoin du trésor d'Avry. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a trouvé. Il nous attend sur une île au large de la côte. Ok, attends, temps mort. Ce job... En Malaisie, ça a jamais été que du vent. Bah, tu sais... D'accord. Non, attends, attends. Elena, reviens. T'es allée beaucoup trop loin. Je t'assure que je voulais t'en parler. J'en ai ma claque. Je voulais te le dire, mais je ne savais pas comment. J'en sais rien en le disant. Il fallait que je te protège. Te fous pas de moi, Nate. T'avais surtout pas le cran de me le dire en face, encore une fois. Je savais que t'allais réagir comme ça. Comment t'aurais réagi, toi ? Pendant des semaines, tu m'as menti. Si tu t'étais fait tuer, je ne l'aurais très certainement pas su. Et le clou du spectacle, c'est que t'as un grand frère. Qui es-tu ? Arrête. Tu me connais, je suis toujours le même. C'est pas pareil cette fois. C'est pas vrai. Il fallait que je le tire d'affaire. J'en ai rien à faire de ce foutu trésor. Ce regard que t'avais quand t'es arrivé dans la chambre.
C'est une chose de me mentir, mais le plus embêtant, c'est que tu te mens à toi-même. Bon, j'ai un avion à prendre. Surtout, t'en fais pas pour moi. Hey, mais qu'est-ce que tu fous? Va la rejoindre! On n'en a pas terminé. Bon, on devrait peut-être arrêter. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a peut-être un meilleur moyen pour sauver Sam. Comme quoi? On pourrait peut-être lui trouver une nouvelle identité. On pourrait lui trouver une planque. Il a passé les 15 dernières années en prison. Pas question qu'il se terre dans un trou. Bon, d'accord. Toi, tu cours après ta femme. Sam et moi, on se dirige vers Libertalia. Sans moi? Vous allez vous faire tuer en moins de deux. Tu crois ça? Écoute, fiston, ça fait un paquet de temps que je suis dans le métier. Alors je crois que je peux quand même... Hé, tu veux te rendre utile, Sullivan? Va garder un œil sur elle. Si c'est ce que tu veux. T'as besoin d'un coup de main? Ça va. Va faire tes bagages. Nathan! Ouais? Terre en vue! Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est pas mal. Tiens-moi ça deux secondes. Avec tout ça, toutes ces aventures dont on s'est sorti in extremis, je crois qu'on n'a pas encore pris le temps de se poser et prendre la mesure de tout le chemin parcouru. Hein? Sic parvis magna. Sic parvis magna. Ouais. Écoute-moi, petit frère. Elle finira par s'en remettre. Avec un trésor comme celui-là en poche, elle t'en voudra pas. J'en suis pas sûr. Je crois que j'ai peut-être trop souvent fait la même erreur. Ah. C'est marrant, j'imaginais ça plus grand. Oui, bah en tout cas, on est au bon endroit. Je vais nous trouver un coin où accoster. Ouais, enfin, au moins, ça se passe sur une île. C'est déjà ça. Au moins, ça se passe sur une île. Il y a tout ce qui peut être artificiel. Enfin, tout ce qui a pu être fait par les tiens. Ouais. Si ça se trouve, on va découvrir que Libertalia n'est en fait qu'une cabane de plage. Ouais, peut-être une cabane dans un arbre. Ou alors, peut-être qu'Avry avait dépensé toute sa fortune à mettre en place sa chasse au trésor et qu'il n'avait plus un. Attends, là-haut! Jusqu'à cette tour. Ouais.
dirait une sorte de porte. Qui cache une chambre? Une immense chambre. Où pourrait être entreposé un trésor? Impossible. Pas avec son ego. L'endroit où Avery aura mis son trésor sera l'endroit le plus élaboré qu'on ait jamais vu. Et il sera aussi bien protégé. Ça passe complètement. On dirait une sorte de vieille tour de guet. Peut-être qu'on verra quelque chose d'intéressant là-haut. Bon, allez, on grimpe. Sam, par ici. Ça, c'est bon signe. C'est une sorte de symbole. C'est la flèche d'une boussole. Comment ça t'est venu à l'esprit ? C'est un truc que j'ai retenu en te regardant. Faut toujours appuyer. Regarde en bas, c'est le même symbole. Nouvelle flèche. Allons voir dans quelle direction elle pointe. Allez, le bateau est juste en dessous. Ouais. Suivons ces flèches, voyons où elles mènent. Ok. Bon, on y va. Allez. C'est parti. Ah, désolé.